J'entends un prénom fort. I hear a name. Un prénom. A name. J'entends Habib. I hear Habib. C'est qui? Who is Habib? My son. C'est qui? C'est mon fils. C'est ton fils. Major. Il est déjà venu ici? Non. Pas encore. J'ai voulu venir avec lui ce matin. Tu as voulu venir avec lui ce matin, il n'a pas voulu. Amène-moi l'eau, il va boire. Bring me a water. Je vais prier pour toi. I'll pray for you. Tu comprends? You understand? Dieu va faire. God will do it. Tu comprends? You hear? Oh my God. Il est en Europe? Is he in Europe here? Il est ici? D'accord. Acclamez le Seigneur. C'est mon domaine. It's my area. C'est mon domaine. It's my area. On va prier pour lui. We pray for him. Dieu va faire grâce. God will grant grace. Je sais pas, je vois une ville, c'est qui? Matam. Aïe, Matam. Qui? Matam, une ville. Je vois Matam. Matam, oui. Comment on dit ça? À Conakry. Matam. Matam. Tu es déjà allé là-bas? Oui. Major. El Major. Je vois Matam. Come and pray for you. Just a pause, papa. Don't be afraid. Don't be afraid. Dès qu'on dit amen. When you say amen, faut m'approcher. Come near me. Arrange-toi à m'envoyer la photo de ton fils. Bring me a picture of your son. Je vais faire une prière pour lui. I'll pray for him. Parce que je vois quelqu'un dans le monde de l'esprit. I see somebody in the realm of the spirit. Il va se lever. Who stand? Matam, je vois là. Matam assis. Matam, je vois M-A-T-A-M. Assis, Matam. C'est comme ça c'est écrit, non? It's brought in. Voilà, c'est comme ça que je vois. Assis. Dieu est en train de m'amener là-bas. God brought me there. Mathieu, quand je prends la voix, when I take the way, je vois qu'il y a un marabout qui est là. Assis, a petit priest there. Du nom de Bukhari. They call him Bukhari. Qui est connu dans la ville. Know in the city. Je vois une dame qui va aller consulter. A woman who go to consult. Parce que la dame veut lui faire du mal. Because a woman has to do evil. Il y a des fois même elle fait des rêves. Sometimes you have a dream. Où elle est beaucoup attaquée. You are attacked. Mais les gens n'arrivent pas à te toucher. But people cannot attack you. Parce que ton cœur est bon. Because you have a good heart. Femme, tu as beaucoup aidé des gens. You help people so much. Aujourd'hui, si tu ne te retrouves plus, today if you don't find yourself, financièrement, financially, la grande partie de ton argent, all your money, tu as aidé beaucoup de personnes. You help people. Les gens ne pourront pas te détruire. People cannot destroy you. Tes finances peuvent baisser. Your finances can go down. Tu ne seras jamais pauvre. But you never be poor. Parce que le Dieu que je sais, the God I serve, va restaurer ta vie. Will restore your life. Dieu est avec toi. God is with you. Dieu est avec toi. God is with you. Faut même pas avoir peur de faire aller consulter pour te don't protéger. Be afraid tu vas dépenser ton argent pour rien. Spend your money for Dieu est avec toi. God is with you. Ne te fatigue pas. Don't disturb. Regarde, il y a une dame qui a venu la chercher. A woman who come la dame va lui dire, allons-y au nord du Mali. Go to north of Mali. Que tu vas aller faire un sacrifice. You make a sacrifice. Quand tu vas finir faire le sacrifice, when you tes affaires vont prospérer. Ma- tu vas dépenser business, pour rien. You spend for nothing. Il y a un ange qui te suit. There's an angel following you. C'est pourquoi les hommes ne te comprennent pas. That's why men on dit que tu as trop de caractère. You have too much character. C'est ça, non? You are too hard. Acclamez le Seigneur. El Major. Dieu est avec toi. God is with you. Quand tu es avec un homme, il pense que tu veux le dominer. You have to have a man take c'est, to c'est ton ange de naissance qui est comme ça. It's your angel of birth that is c'est pourquoi l'homme n'arrive pas à te comprendre. That's why they cannot understand you. Il y a un homme fort qui te suit. But a strong man follow tu you. Tu ne vas jamais tomber. You will never fall down. Tout ce que tes mains vont toucher, whatever your hand après cette prophétie, ça va commencer à prospérer. Prosper. Lève les mains. Relève-la. Dieu permet une ouverture. God will bring open door for you. Habib, amène-moi sa photo, il vient prophétiser sur lui. Bring me Habib. Quand il va finir de prier pour lui, when I finish pray for him, il y a une porte qui va s'ouvrir aux États-Unis. Door be open for you. Quand tu vas voyager, il va partir. When Habib aura beaucoup d'argent. Habib va te porter. Mets la photo. Put the mets sa photo rapidement, il va prophétiser. Lève ta main là où tu es. Raise your hand wherever you dis are. Avec moi, Seigneur, tu es vivant. Say, Lord, you are alive. Close your eyes. Toi qui m'as oint. You anointed me. Reçois la grâce. Receive a grace. 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 L'Éternel est avec toi. Viens. Lève ta main, lève ta main. Enlève ses lunettes. Je t'aime, tu le sais. Quel est le pied qui te fait mal? Qu'est-ce que tu veux pas faire avec? Oui. Tu crois que si elle prie pour toi, tu vas aller faire l'analyse, ça va disparaître? Tu crois au miracle? Dieu bénit le miracle. Amen. Amen. Vous vous rappelez, il y a une maman pour qui il a prié pour problème de cœur. Je lui ai dit que Dieu guérit. Elle allait faire l'analyse, son cœur est devenu normalement. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je vais prier pour toi. I'll pray for you. Lève ta main. Raise your hand up.
lève les mains. Joanna. Miracle power. Reçois ton miracle. Receive your miracle. Guéri. Be healed. Tu viendras avec la radio. You come with the air. Discale a disparu. And all those pains. L'hernie discale a disparu. Apporte-moi l'eau qui est sur la chair rapidement. Mon eau que je bois rapidement. Bring her back. C'est ta soeur même mémé. Your sister. Il faut beaucoup prier pour elle. Pray for her a lot. Tu comprends? You understand? Dans le monde de l'esprit. In the realm of the spirit. Dans le monde de l'esprit. In the realm of the spirit. Je vois un de ces garçons. I see one of his la police boys. Va l'arrêter. The police will stop him. La police. Ses amis vont prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. They will take that dog. Ils vont prendre. Lui va les garder. He will keep, go et quand ils vont venir défoncer la porte. Where ils vont trouver ça là-bas. They will find it there. Tu comprends ce que j'ai dit? You understand what prie I'm beaucoup saying? Pour lui. Pray for him a lot. Prie beaucoup pour lui. Pray for him a lot. Si l'Éternel m'a oint. If the Lord has anointed me. Holy. Touch. Touch. Libère. Go. Restore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Relève-la. The Lord is tu vas venir avec la radio à l'église. You come with, tu vas sur, témoigner. Bois tout. L'ange que j'ai relâché auprès de toi. Angel I release near you. L'ange que j'ai relâché auprès angel de toi. I release near you. Ne t'inquiète plus. Worry not. Il te guérit à partir. Heal you now. Sois restauré. Be restored. Tu es guéri. You are healed. Un homme t'a fait beaucoup de mal. A man did many pain to you. Je vois amour de cœur, tu es fragile maintenant. Un homme t'a fait beaucoup de mal. Mais faut pardonner. Tu comprends? Faut pardonner. Amen. Dieu te restaure. May the Lord restore you. Jean le chapitre 4. John 4. À partir du verset 21, rapidement s'il vous plaît. From the 21, John 4. Jean 4 à partir du verset 21. John 4 from 21. On se tient debout pour la lecture de la with parole, praise, s'il vous plaît. We be on our feet. Jean chapitre 4 à partir du verset 21, allons-y. Il est écrit. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mm-hmm. Nous adorons ce que nous connaissons, mm-hmm. car le salut vient des Juifs. Mm-hmm. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que tu peux encore relire à partir du verset 21, s'il te plaît? Femme, mm-hmm. lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Assieds-toi. May the Lord bless you. Gloire à Dieu. Have your seat. Amen. Glory be to the Lord. Qui a dit Amen plus fort? Who said Amen well? Touche quelqu'un, faut dire adorer Dieu. Touch somebody, say worship the Lord. Est utile pour notre âme. Dis encore à ton voisin, adorer Dieu. Worship the Lord. Est utile pour notre âme. It's useful for our soul. Là, Jésus était en train de s'adresser à une femme. Jesus was talking to a woman. Et Jésus était en train de lui dire ceci. Jesus was saying, vous savez, dans la coutume juive, in the Jew custom, les hommes partaient adorer Dieu, men, people called pour rechercher la face de Dieu, the face of the Lord, pour aller dans la présence de Dieu, the presence of the Lord, sur des montagnes. On the mountain. C'est sur des montagnes qu'ils partaient l'adorer. On the mountain. Et Jésus qui vient, Jesus came, pas sous la loi, not under mais the qui law, vient sous la grâce, but under the grace, non pour abolir la loi, not to stop the mais law, afin de la rendre parfaite. But to perfect. Et Jésus dit à cette femme, ça ne sera plus sur les montagnes qu'on va aller l'adorer, mountain, mais nous allons adorer le Père you worship the Father, en esprit in spirit, et en vérité. And in truth. En réalité, l'adoration, in reality, ce n'est pas quand on parle à Dieu, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te loue, Lord, I love, I Seigneur, je you. Sais que tu es tout pour moi, no, you are God. Seigneur, je sais que tu es le véritable, you are the true God. Mais ton adoration your worship, ou tes paroles your word, doit être accompagnée have to go de sincérité with truth et de vérité. And, reality.
Je parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, souvent certains adorent Dieu. Some people worship the Lord parce qu'ils recherchent quelque chose. Because they are seeking something. Ça, ce n'est pas la vérité. It's not the truth. Je parle à quelqu'un. Amen. Anne partait chaque année à Shiloh. Anna used to go to Shiloh. Elle partait pour adorer Dieu. She go to worship the Lord. La Bible dit c'est un seul jour. One day, où elle a dit ceci à Dieu. Said to the Lord, Seigneur, Lord, si tu me donnes un enfant, if you give me a child, cet enfant va faire quoi? The child will do te servir. Will serve you. Gloire à Dieu. Amen. Quand on adore Dieu, when you worship the Lord, nos paroles doivent être remplies de sincérité. Your word have to be full. Ne viens pas à l'église parce que tu recherches un mari. Don't come to church because you are looking for a husband. Ne viens pas à l'église parce que tu recherches un enfant. Because you are looking for a child. Dieu te l'a dit à journée ces choses. God has granted your mais sois simplement sincère dans ton adoration. Be true in your worship. Sois vrai dans ton adoration. Be true in your worship. Et tu verras la grâce et le bonheur qui and vont t'accompagner. The grace of the Lord. C'est pourquoi l'Écriture explique ceci. That's why the la Bible dit ceci. The Bible says, il dit, l'heure vient. Où ça ne sera plus sur les montagnes, mais en esprit, but in spirit, et en vérité. Ce n'est plus sur les montagnes qu'on doit aller chercher Dieu. That you got to worship. Le Saint-Esprit maintenant est descendu. The spirit of Ascar. Dieu n'est plus là-haut. God is not on top. Le Saint-Esprit est en nous. The Holy Spirit is donc ce qui amène notre adoration vers Dieu, what bring your c'est la sincérité de notre cœur. Regarde ton voisin, il faut lui dire, adore Dieu, sois sincère. Look at your neighbor and say, worship the Lord in truth. Dis encore, adore Dieu, sois sincère. Worship the Lord, be in truth. Parce que vous savez quand on prie, when you pray, pour notre exaucement, for your hearing, c'est des étapes à suivre. There is a step you have to follow. Psaume 91. Psalm 91. Psalm 91. Psalm 91. Il dit, puisqu'il m'aime, since you love me, je le délivrerai. I will deliver you. Puisqu'il m'aime. Since the Lord maintenant, toi, quand tu entres dans la présence de when Dieu, you go to the presence tu ne l'adores pas parce que tu l'aimes. You don't, you tu as un problème because de santé. Because you have a problem peut-être que tu es malade. Maybe you are sick. Ou ça ne va pas chez toi. You are not ton loyer, tu n'arrives pas à régler. You are rent, you tu n'as pas de papier. You don't have si c'est ce qui t'emmène à l'église, l'Éternel ne va pas t'exaucer. The Lord will not hear you. Ton adoration doit être accompagnée de sincérité. Your tu ne l'adores pas parce que tu recherches un besoin. Not non. Mais tu l'adores parce qu'il est tout pour toi. You parce qu'il a payé le prix pour toi. So il est mort à ta place. Carry il a porté place. Tes fardeaux. Carry il a porté tes péchés. Carry your sin. Telle doit être la raison de ton that adoration. Is your reason to worship the Lord. La Bible dit recherchez premièrement le seek first the kingdom royaume of God. Des cieux. Et toute chose vous sera accordée. And the rest shall be given unto you. Mais quand toi tu viens à l'église là, when you come to the church, ce n'est pas le royaume de Dieu que tu cherches. Ah, moi je suis arrivé dans un pays, je n'ai pas de papier. Me, I came here, I don't je sais have que si je prends un temps de jeûne, if I fast, Dieu va m'exaucer. God will hear me. Mais l'Éternel ne va pas t'exaucer. The Lord will not hear you. No. No. C'est pourquoi souvent parmi nous, that's why some certains prient, ne voient pas de choses. Ils se disent, ah, peut-être parce que je prie mal. Ou bien Dieu ne veut pas m'exaucer. Maybe God doesn't want to hear me. Il dit, vous demandez à Dieu. You ask to et vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne savez pas demander. You don't know how to ask. La première méthode que Dieu nous a montrée de prier, c'est quoi? En Matthieu. In notre Père. Our Father. Qui est? In heaven. Que ton nom? May your, I'll be your name. Mais toi, quand tu entres dans la présence when de Dieu, go to the presence of the Lord, tu ne sanctifies même pas d'abord son you nom. Tu introduis en même temps ta requête. You comment est-ce request? Que tu vas t'exaucer? How can you be heard? Notre Père qui est aux cieux. Our Father in heaven. Que ton nom soit sanctifié. I'll be your et que quoi? Name. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi, tu brûles ces étapes-là. Quand tu entres, la première des choses, Seigneur, Lord, j'ai des problèmes. I have problem. On me combat. They fight me. Et tu commences à jeûner. You begin to fast. Tu jeûnes jusqu'à quand tu déjeunes. You fast until tu jeûnes même tes clavicules commencent you à sortir. Fast on your bones are mais jusqu'à là, up to here. Le même problème persiste. Same problem tu is dois there. Changer ta manière de prier. Change the manner of prayer. Vous savez, Anne, you Anna, pourquoi s'attarder sur les autres? Certainement quand tu priais, sure, elle disait, praying. Donne-moi un enfant. Give me a child. Mais le jour, elle a compris qu'elle ne devait pas, Dieu ne devait pas lui donner un enfant. God should not give mais c'est a elle child. Qui devait donner l'enfant à Dieu. To give elle dit ceci, child. Seigneur, said, si tu me donnes un enfant, cet child, enfant va te servir. Et Dieu était dans le besoin. Parce qu'en ce temps-là, la voix de l'Éternel se faisait là. Dieu recherchait une personne ici qui met son onction. Quand elle a dit à Dieu, Seigneur, tu me donnes un enfant, cet enfant va te servir. C'est-à-dire ce que tu me donnes, je vais te redonner. En toute chose, quand Dieu trouve sa place, il exauce la chose dans la précipitation. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Touche quelqu'un, il faut lui dire, sois vrai. Adoration. Amen. Amen. Mais si tu n'aimes pas Dieu, if you don't love God, faudrait pas que ça soit comme une femme parce qu'il a l'argent, il joue avec lui. Because le juge n'a plus l'argent, il part. Il a réalité, celui qui est vrai, the one is il ne t'aime pas pour ce que tu as. He doesn't like n'aime love pas Dieu parce qu'il fait des miracles. Don't love mais aime Dieu pour ce qu'il est. Love God parce qu'avec Dieu aussi, il y a le malheur, hein. With God, there's la femme also. De Job. The wife of Job était riche, béni.
Job was rich. Mais le jour Satan a frappé Job, sa femme dit maudit Dieu et meurt. Curse God and God. Job dit non. Job said no. Ni je suis né. Naked ni je retournerai. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas approché Dieu à cause de ses richesses. Il a approché Dieu par amour pour ce qu'il est pour lui. Il a approché Dieu à cause de sa miséricorde. Because of his mercy. Je parle à quelqu'un. Tout le monde peut t'abandonner. Everybody can forsake. Ta famille peut te délaisser. Your family mais si tu es sincère avec Dieu, if you are true Dieu with devient God, ton père. God Dieu devient father. Ta mère. God la Bible father. Dit, il est le Dieu des orphelins. Il est celui qui essuie les larmes de la veuve. Je parle à quelqu'un. Ce qui me plaît chez Dieu, well, with God. Il t'aime tel que tu es. He love you very parce que you la Bible dit, il est omniprésent. He's omnipresent. Omnipotent. Omnipotent. Omniscient. Omniscience. Tout ce que tu fais, whatever Dieu you le do, savait d'avance. Tout rien ne choque Dieu. Nothing shocks ce God. Qui n'a pas été établi pour toi. What when avant for la you. Fondation de ce before monde, apporte tous les grands prophètes que tu veux. All the, ta all vie all ne changera pas. Your life will not c'est ce que Dieu a décidé. What God has c'est ce qui se fera pour toi. It will happen for you. Je parle à quelqu'un. C'est une manière de te dire. To si quelqu'un avait proféré une parole de malédiction somebody sur ta vie, ces choses ne peuvent pas s'accomplir. Parce que depuis le ciel, tu as été béni. Depuis le ciel, tu as été prédestiné à la gloire et à la réussite. Mais la seule chose qu'il nous demande, c'est la sincérité de notre cœur. La Bible dit ils sondent le cœur et les reins. Quelqu'un a dit amen. Amen. Dis à ton voisin, ils sondent le cœur et les reins. Dis encore, ils sondent le cœur et les reins. Faut pas faire comme une dame une fois. Don't be like woman. Elle est dans une maison avec son mari. She will be asked for the maison bidonville là. Là those, chez nous on appelle ça sic au bois. We call it. Et puis l'homme entend de prier. The man is praying. Ils ont pris 40 jours de jeûne. 40 days fasting. Au dernier jour. The last day. Et puis dis à Dieu Seigneur. Said Lord. Si tu me rends riche. If make me rich. Je vais prendre tout cet argent. I'll take all the money. Pour aider les pauvres. To les orphelins. Help the people. Poor and c'est pas ce qu'on s'est dit hein. Mais si tu donnes tout l'enfer comment? Et les enfants? Ça veut dire déjà même l'adoration là. Even the worship, ce n'est pas sincère. Il y a plusieurs ici. Il y a many. Après mariage, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. After marriage, they forsake the work of ils sont God. Allés s'asseoir. They went to sit. Mais l'homme pour qui tu abandonnes Dieu? The man you forsake et le jour où il te délaisse, tu fais left you. What amen. Are you going to do? Que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Nothing should separate. Que les richesses de ce monde ne vous sépare pas de l'amour de Dieu. En toute chose, soyez vrai et soyez sincère. Tu te bats aujourd'hui pour avoir une maison. Mais le jour où Dieu vient te prendre, but then God can take you. Tu ne partiras pas avec la maison. You're not going with the house. Tu te bats aujourd'hui pour amasser de l'argent. You are fighting for money. Mais le jour où Dieu vient te prendre, but then God take you. Tu ne pars pas avec cet argent. You're not going with the money. Tout reste sur la terre. Everything stays. En un mot, in one vanité. Word, vanity, deva, on vanity. Everything is vanity. Quand on vit avec ce qu'on a. When you live, you live with what mais you quand have. On meurt, when you die, on part avec ce qu'on a donné. You give, you go je parle with à quelqu'un. You give. Ce que tu as reste. What you have, mais l'amour que tu as donné aux gens. The love you gave, l'espoir que tu as donné the aux gens. You gave to people, la faveur que tu as donné the aux gens. Favor you brought to people, la bonté que tu as donné the aux gens. You brought to people, le partage que tu as donné the aux gens. You gave to people, c'est ces mêmes qui viennent t'accompagner avec ces choses. Those people come to follow you with it. C'est ça Dieu. That is God. Amen. Amen. Soyez sincères dans votre marche chrétienne. Be true with God. Ne fais pas partie de ceux-là. Don't belong to those qui savent qu'ils ne sont pas purs devant Dieu. They are not clean before God. Et c'est ceux-là qui sont les meilleurs juges. They are best judge. Lui il juge les autres. He judge others. Et il est son avocat lui-même. And he's a lawyer himself. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Tu es prêt pour parler de la paille qui est dans les yeux de ton voisin. You are ready to remove mais tu ne vois pas la poudre qui est dans tes yeux. But you don't see the what? Ne jugez pas. Don't judge. Afin de ne pas être. For you not to be judged. Jugez. Que la grâce de Dieu soit votre partage. The grace of the Lord be je your vous share. Aime, c'est avec le cœur. Soyez sincères dans be votre marche. Way. Soyez vrais. Be truth. Aimez Dieu de tout votre cœur. Love God with all que your les richesses de ce monde ne changent pas votre adoration. Soyez vrais. Demeurez les mêmes personnes. Ton adoration ne change pas. S'il t'éprouve, que ton adoration demeure. S'il te bénit, que ton adoration demeure. Dieu bénisse ta sémence. N'oublie jamais qu'il a payé le prix pour toi. Quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi tu es chrétien? J'ai dit, j'ai accepté Dieu parce qu'il a donné sa vie pour moi. C'est pourquoi moi je suis chrétien. C'est pourquoi j'aime ce chant qui chante souvent l'Ifoko du ciel. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus est un juif qui n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais
il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Lorsqu'on me demande pourquoi je l'adore, mais moi je réponds, je le connais pas la foi, je le sais dans tout mon être et je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tend la main, je l'aime. Beaucoup me disent que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devait revenir bientôt 2000 ans. Mais quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoigne, ça s'accomplirait. Bien que mon âme témoigne qu'il vient bientôt, cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tend la main, ouais, 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 je l'aime. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? J'aime cet homme. La forêt. Amen. La forêt. Amen. Matthieu, il dit, je ne connais pas Jésus. Je ne sais pas quelle est la couleur de sa peau. Mais ce que je sais, c'est qu'il est mort pour moi. Je ne sais pas il est de quelle origine. Mais quand je le prie, je ne l'ai point connu. Mais je le sens dans mon être. Quelque chose se passe. Quand je parle de lui, quand j'entends son nom, je sais qu'il est Seigneur. Je sais qu'il est ressuscité. Je sais qu'il a porté mes péchés et qu'il m'aime. C'est ça la raison de vivre. That is my reason to live. C'est pourquoi That's why nous marchons avec lui. We walk with him. Parce qu'il est vrai. Because it's true. Tout le monde nous juge. Everybody Tout le monde nous blâme. Everybody Tout le monde nous condamne. Everybody Mais lui, il est avec nous. He, parce qu'il nous a aimés. He love us depuis le premier jour. Since the first day. Soyez bénis. Be blessed. Demeurez sincères. Be truth. Cette semaine, This week, soyez vrais dans votre adoration. Be true in your worship. Et l'Éternel se souviendra de And vous. Il va bénir vos enfants. Il va bénir vos familles. Il va restaurer votre vie. Que la grâce et le bonheur de Dieu soient avec vous. On va tous se bénir. Moving in our midst, I worship you.